Donc là aujourd'hui je vous retrouve dans le vlog du Final Fantasy. Donc on est le jour 7 il me semble, si c'est ça. Oui. Donc normalement en fait certaines personnes croyaient que le challenge en fait s'arrêtait aujourd'hui. Mais du coup on n'était pas trop organisé au niveau des dates. J'en suis vraiment désolée, mais le challenge continue demain aussi. Enfin de toute façon on a fait Anaïs a fait un post sur Facebook et tout, donc de toute façon je pense que je vais tweeter ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai pas pu bloguer ce matin parce que j'ai tout simplement fait du montage et répondu un peu à des mails et à des commentaires etc. Donc du coup voilà. Du coup cet après-midi en fait donc là il y a un peu de 2h en fait. Et donc là on attend les meubles parce que mes meubles donc, de IKEA donc vont arriver aujourd'hui, vont être livrés aujourd'hui. Donc normalement entre 1h et 4h, donc normalement ça devrait pas tarder. Donc voilà, rien de spécial, là j'ai fini de monter la vidéo, elle est en train de être traitée on va dire. Et voilà, donc ouais, j'avais dit de vous montrer dans des vlogs, j'ai complètement oublié, donc je vais vous montrer la vue qu'on a depuis ma chambre. Donc c'est une vue de campagne, hein, donc vous n'avez pas genre des buildings partout. Donc voilà un peu la vue, je sais pas si vous voyez genre. Voilà, genre la vue que j'ai, genre la campagne, vous voyez. Mais on voit super loin, en fait, genre. Vous voyez comment, genre, c'est tout reculé. Genre le village d'à côté, quoi. Et là, à côté, donc, je suis désolée, il y a des barreaux, je suis désolée, mais il y a plein de soleil en plus, donc ça va. Donc là, à côté, vous avez des forêts, enfin bref. La campagne, vous avez vu, genre, tous les champs. Vous avez vu comment c'est bien reculé chez moi. Bref, que des champs. Donc voilà, de view, depuis ma chambre. Belay. On va refermer. Donc ouais, donc je disais que donc en fait j'attends que les gens d'IKEA, donc les transporteurs, je sais pas comment on dit, viennent livrer mes meubles pour après je sais pas si on va les monter parce qu'en fait je dois aller au code, je vais enfin au code depuis une semaine. Mais ce qui me fait chier en fait c'est parce qu'il y a 3 heures de code, donc ça va plus chier, mais bref. Donc là je vais commencer 50 nuances plus sombres. Je disais s'il y a du bruit. Je disais s'il y a du bruit, mais en fait c'est ma mère qui est en train de faire un gâteau pour demain. Ah oui, parce que demain en fait j'ai oublié de dire, mais demain je pense que je vais pas trop vlogger parce qu'en fait mon beau-frère, ma soeur, etc. vont venir monter les meubles avec nous demain après-midi. Donc ils vont être là toute la journée. Donc du coup, je sais pas si je vais énormément vlogger, si je vais lire en fait. Donc voilà, du coup là en attendant je vais lire. En attendant les transporteurs, je vais lire 50 nuances plus sombres. Donc voilà, et normalement la semaine prochaine en fait je vais voir le film si tout va bien. Donc voilà, donc je suis super impatient à l'idée de voir le film parce que enfin il y a plein de gens que je connais autour de moi qui ont été le voir et qui ont genre adoré, qui ont dit que enfin, et après ils ont lu le livre en fait et ils ont préféré largement le film. Mais bref, donc du coup voilà, enfin moi j'ai beaucoup aimé le livre, je trouve qu'il est très, enfin voilà, ça passe super vite, les chapitres sont super fluides et tout, enfin j'aime beaucoup, j'ai bien aimé. Apparemment le deuxième tome est très lent et il se passe rien et c'est genre super long, mais on verra bien. J'ai bien envie de tester, de toute façon je l'ai, donc autant le lire. Donc voilà, je suis désolée s'il y a du bazar derrière, genre regardez-moi ce bordel, mais j'ai même pas fait le ménage hier en fait, j'ai rien foutu, mais rien. Et du coup ouais, donc hier j'ai même pas fini le vlog, je me suis endormie parce que j'étais tellement crevée. J'ai regardé 3 ou 4 épisodes de Downton Abbey et après je suis... Donc bref, donc là je vais ranger un peu aussi parce qu'il faut que je fasse le ménage parce que si on met les meubles dans une chambre tout crados ça va pas le faire. Et donc voilà, du coup je vous retrouverai tout à l'heure avec les meubles, arrive sûrement. Donc à tout. Heureux tout le monde, donc là il est 11h30, donc en fait j'ai pas vlogué cet après-midi tout simplement parce qu'on a en fait on a monté les meubles, je vais y arriver, et enfin mon beau-frère et tout, ma soeur, mon beau-frère sont venus pour nous aider, donc c'est pour ça que j'ai pas vlogué tout simplement, on a passé pas mal de temps parce qu'il y avait beaucoup de meubles, et en fait on a fini un peu tard, et le truc qui a commencé à saouler c'est que en fait on a monté tous les meubles etc, pas de soucis, on monte mon lit. Dernière étape, le sommier, et là, on fait un premier sommier, tout va bien, le deuxième, et là, on capte que le deuxième, en fait, manque des lattes, 19 lattes, enfin, une vingtaine de lattes, en gros. Du coup,
J'ai mon lit à côté de moi, mais je peux pas dormir, quoi, parce qu'il y a pas de sommier. Donc, franchement, ça m'a saoulé, mais grave. Donc, du coup, là, je suis obligée, genre, de redormir à côté de mon lit. Génial. Donc, enfin, bref, je suis dégoûtée. Donc, du coup, demain, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Du coup, bah, voilà, j'ai pas lu, j'ai pas avancé dans mon livre, j'ai même pas encore commencé. 50 millions de degrés, donc, enfin, bref. Donc ouais, du coup, on a monté tout, on a monté mon meuble, enfin mon meuble de télé, on a monté ma bibliothèque, ma garde, enfin mes meubles pour ranger mes vêtements, mon bureau. Tout s'est bien passé, enfin même mon lit et tout. Je trouve que c'est juste, voilà, on a le matelas, enfin les sommiers, et en fait, il y a deux sommiers en fait, enfin le sommier, il est en deux parties en gros. Et en fait, du coup, bah, le deuxième, il manque des lattes, du coup, bah, voilà, une vingtaine de lattes, donc du coup, demain, on va appeler le service client. Je sais pas comment ça va faire, comment ça va s'arranger, bref, du coup, voilà, ça me saoule grave. Donc, voilà, du coup, je suis résiliée à encore dormir sur mon matelas comme un pauvre. Bref, donc voilà, du coup, ouais. Donc, je vais vous faire voir un peu le même si ça vous intéresse. Voilà, enfin, bref, ça m'a saoulé. Donc là, je vais regarder How to Get Away with Murder, parce que je l'ai pas encore regardé l'épisode final. Parce qu'il y a ma meilleure amie qui m'envoie un message. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, tu me manques. Et en fait, elle m'a envoyé un message il y a genre une demi-heure. Elle m'a dit, tu l'as regardé. Je fais, ben non, j'ai pas eu le temps. Et du coup, enfin, elle m'a dit qu'il était ouf et tout. Ça partait dans tous les sens, donc il faut absolument que je le vois. Donc ouais, du coup, j'ai monté ma bibliothèque, j'ai monté mon meuble de télé, mon bureau, enfin ma chaise, tout ça quoi. Mon lit, en plus, enfin mon lit, enfin je le trouve super beau et tout, et du coup, bah, je peux pas dormir dedans. J'ai monté, voilà, enfin mes trucs pour mettre mes vêtements, ma commode, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Je vais vous faire genre une vue d'ensemble du truc. Ouais, donc en fait, c'est un truc comme ça, genre. Ouais, donc en fait, c'est des trucs comme ça en fait qui manquent. Enfin, là, c'est le premier mat. Ça, c'est le premier sommier, mais. Enfin, tous les lattes y sont. Et en fait, là, on a le deuxième, mais il manque des lattes. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est mon lit. Et comme ça, en fait, donc c'est un fer forgé, je crois. Là, vous avez genre les trucs d'IKEA normal. Ma commode. Donc, là, vous avez ma bibliothèque en fait. Donc, c'est. Je sais plus quelle c'est. Bref. Donc, là, j'ai commencé à mettre des livres. Donc, voilà. Et. Donc, ma télé et mon bureau qui est comme ça en fait. Enfin. Une plaque de verre, on a mis un meuble et voilà, donc en gros ça. Donc ouais, donc du coup voilà, donc il nous manque 20 lattes, donc je sais pas comment on va faire. Du coup voilà, enfin demain ma mère va appeler le service client, génial. Je vais devoir encore attendre genre je sais pas combien de temps pour avoir mon lit quoi, genre c'est, enfin voilà, ça... bref, ça me saoule. Du coup là je vais regarder How to Get Away with Murder, vu qu'apparemment, enfin ma meilleure amie va m'obliger là à me regarder parce que il a, enfin à regarder l'épisode parce qu'il a genre en mode regardeur. Donc je vais regarder ça, je vais aller dormir parce que je suis mort, ça fait genre enfin deux jours, je me couche super tard et tout, enfin bref, le mec genre ouf de life, bref. Donc du coup là je vais aller dormir et donc du coup je retrouve demain matin, comme ça on verra l'avancée du problème IKEA. Bref. Donc, du coup, voilà. Donc, re tout le monde. Donc, aujourd'hui, on est le dernier jour du challenge. Donc, le dernier jour des vlogs. Donc, là, il est 11h. Je viens. Enfin, il y a à peu près une heure. Je me suis réveillée, même pas. Donc, programme de la journée, aujourd'hui, je vais essayer de ranger donc, ma chambre, nettoyer un peu les meubles, parce que, enfin, vu que certains meubles sont en verre, enfin, il y a des plateaux de verre, etc., donc je vais nettoyer un peu ça, parce que forcément, il y a des traces de doigts et tout. Je vais ranger, enfin, mettre tous mes vêtements qui sont dans mon ancienne chambre, jusque ma nouvelle chambre, peut-être faire ma bibliothèque aussi, enfin, voilà, tout ce genre de choses, vous voyez, pas très passionnante. Nettoyer, passer un coup d'aspi, enfin, voilà. Donc ouais, pour finir, ma mère ce matin a appelé le service client et tout s'est bien passé, ils ont dit qu'ils allaient en fait nous livrer les lattes mercredi. Bon, ça me saoule quand même parce que, enfin je sais pas, genre dormir à côté de ton lit, enfin ça fout les boules, mais c'est pas grave. Donc ouais, ça, je vais me lever là parce que faut que je me lève quand même. Je vais aller prendre ma douche, je vais ensuite regarder s'il y a des nouveaux commentaires, etc. et répondre. Je vais essayer de lire un peu quand même parce que c'est quand même le dernier jour du challenge et j'ai que 4 livres. Mais bon, de toute façon, je sais très bien que je pourrais pas terminer un livre en une journée, c'est pas possible et j'ai pas trop envie non plus. Je vous avouerai que là, je suis pas très très motivée, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même validé mon challenge, j'ai quand même 4. Mais voilà, pour moi, j'ai des gros livres et j'assume ma responsabilité. Mais bon, j'ai quand même lu 2 gros livres de 500 pages, plus de 500 pages.
Donc je me dis que franchement ça peut le faire. Donc ouais, donc là je vais me lever, je vais aller regarder ça sur mon nouveau bureau. Parce que oui, maintenant vu que j'ai un nouveau bureau, je vais travailler là un peu. Donc voilà, donc je vous retrouverai tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc là il est 6h10. Donc je suis désolée de ne pas avoir vlogué cet après-midi, mais tout simplement en fait j'ai passé mon après-midi genre à ranger, à finir, voilà, genre j'ai fait ma bibliothèque, j'ai rangé tous mes vêtements, etc. Mis les vêtements, enfin lavé, etc. Enfin bref, rien d'extraordinaire. Là je viens juste de prendre mon bain, j'ai tourné une nouvelle vidéo, une très courte, donc l'ouverture de ma FAQ, parce que enfin j'avais un peu la flemme de monter, genre enfin de faire une vidéo genre sans moi dedans. Bref. Du coup voilà, donc là c'est le dernier jour du challenge, je suis genre dégoûtée parce que c'est passé super vite. Je suis dégoûtée aussi parce que j'ai pas non plus lu 7, enfin j'ai pas lu 7 livres. J'en ai eu quand même 4, ce qui est déjà pas mal parce qu'en plus, enfin, moi j'ai pas choisi non plus les plus petits. Mais quand même, enfin, je me dis que comparé à certains, je suis largement nulle. Mais bon, voilà, donc j'ai quand même remporté le challenge, on va dire. Donc voilà, du coup là j'ai fait ma vidéo, donc elle sera sûrement en ligne après celle-ci, juste après je mettrai les deux en même temps je pense, parce que voilà, enfin l'autre elle fait genre 2 minutes. Donc du coup voilà, donc ouais, surtout allez dans l'autre vidéo si vous voulez me poser vos questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc là du coup voilà, donc j'ai pris mon bain, voilà, j'ai pris un bon bain parce que j'avais genre juste envie, là c'était genre de prendre un bain, je sais pas pourquoi. Donc là je suis genre avec mon thé glacé. Bref, donc du coup ouais, donc en fait je sais pas si je l'ai dit avant, mais je me suis fait un compte Goodreads, enfin j'en avais déjà un, mais ouais, donc j'avais un compte Goodreads en fait, et j'utilisais jamais vraiment parce que je trouvais enfin ça trop compliqué, enfin c'était pas réellement ce que j'aimais bien, et en fait c'est l'un de mes challenges, enfin cette année on va dire, de me mettre à jour. En plus enfin je trouve ça vraiment super cool parce que d'un côté vous pouvez marquer tous les livres que vous avez lus, etc., revenir en arrière, dire oh en fait j'ai lu ça, etc., j'ai pensé ça, ce qui est plutôt cool, donner votre avis, mettre des notes. Je trouve que c'est plus facile quand je fais une revue par exemple, ou quand je fais un bilan, de vous dire combien j'ai mis, etc., combien d'étoiles et tout. Je trouve ça plus simple. Donc du coup je vous mettrai mon pseudo ici, je vous mettrai le lien de mon Goodreads en barre d'infos, comme ça si vous aussi vous avez un compte, on pourra échanger sur nos lectures là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc ouais, du coup là j'ai fait ma bibliothèque. Voilà, vous avez le gros bordel ici. Ouais, du coup, là, enfin, j'ai fait ma bibliothèque. Donc, je vais la montrer comme ça. Voilà, je suis désolée parce que ça fait un peu orange. Mais elle est comme ça, en gros. Il n'y a pas énormément de livres. Enfin, il n'y a pas même du tout de livres. Je trouve qu'il n'y a pas assez de livres, mais bref. Et du coup, il y a ça, en fait, voilà. Enfin, voilà. Ouais, donc du coup, j'ai fait ma bibliothèque aussi, voilà, enfin, je vous l'avais dit sûrement ce matin, mais je reçois les lettres de mon lit, enfin, la fin de mon lit sera montée, on va dire, mercredi. Du coup, je dois encore dormir deux fois, enfin, trois fois même, sur mon matelas à terre, ce qui est génial. Bref. Donc, ouais, du coup, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais je le retrouverai sûrement tout à l'heure. Au fait, j'ai aussi regardé, How to Get Away with Murder. La saison finale, je suis dégoûtée, mais vraiment, je suis choquée en fait, je suis vraiment choquée parce que, enfin, il s'est passé genre trop de trucs et ça s'est fini genre en mode, what? Et, donc voilà, on apprend plein de trucs et il y a plein de nouvelles pistes pour la saison 2, donc ce qui est puissant, je sais pas ce qu'on va attendre jusqu'au mois d'octobre ou septembre. What the fuck? Mais bref, donc du coup là, je vais regarder un peu sur internet, regarder des vidéos. Refaire, enfin je pense pas que je vais dire parce que clairement là je me dis que ça sert à rien que je lise, ça qu'on est aux œuvres, hein. Peut-être le commencer ce soir, on verra. Je vais normalement la semaine prochaine lire la sélection, donc en fait c'est une abonnée qui m'a demandé si je voulais faire une lecture en commune avec elle. J'ai gentiment accepté parce qu'elle était super gentille, elle m'a vraiment vraiment touchée dans son mail, etc. Et du coup j'étais là, bon d'accord, je vais faire une lecture commune, en plus voilà, je l'avais en e-book donc ça tombait bien, mais je pense que je vais l'acheter en vrai bouquin pour l'avoir dans ma bibliothèque quand même. Du coup voilà, je vais lire la sélection la semaine prochaine. Heureux tout le monde, donc là il est 9h30 je crois, un petit peu plus même. Donc là j'ai monté la vidéo, du coup depuis tout à l'heure j'ai monté ma vidéo FAQ, ça m'a pris très très longtemps. Je l'ai mis en ligne, elle est déjà en ligne là, donc je vous mettrai le lien maintenant et en barre d'infos, comme ça si vous voulez me poser des questions. Allez-y, j'avais à peine mis la vidéo en ligne, je monte, enfin j'ai juste eu le temps de monter. Et j'ai pas mal de questions, donc vraiment merci, c'est super sympa. Donc je me ferai vraiment un plaisir de répondre à vos questions.
Donc franchement, n'hésitez pas. Et c'est vraiment super cool d'avoir des retours et tout. Franchement, c'est vraiment super cool. Donc voilà, je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Bref, le gars il soulève un matelas, il n'en peut plus. Donc là, je suis en train de préparer mon lit pour ce soir parce que du coup, j'ai dû remettre le matelas là-dessus. Bref, donc ouais, du coup là, je vais pas lire. Enfin, j'ai commencé à regarder Blanche-Neige tout à l'heure à la télé. Et c'était vraiment super bien en fait, j'étais surpris de bien aimer. Donc voilà, mais bref, je suis quand même montée parce qu'en plus ici j'ai pas la télé en haut. Pauvre de moi, mais c'est pas grave. Donc ouais, du coup là je vais regarder un peu, je pense que je vais essayer de regarder si je reste, même si je l'ai déjà vu, je vais encore le regarder. Je vais aller mettre mon pige. Genre, voilà. Je me tâte pour commencer un nouveau livre. Mais bref, donc ouais. Du coup, je vais faire ça. Je vous retrouverai tout à l'heure avant minuit pour finir le vlog. Parce que oui, les vlogs sont terminés. Enfin, bon, sont bientôt terminés. Le challenge est bientôt terminé. Donc, ça me fait super bizarre de dire ça. Mais parce que, genre, j'avais préparé le projet et tout. Dire que c'est déjà terminé, ça fait bizarre. Mais c'est pas grave, de toute façon, on recommencera. Et voilà, ça a été vraiment, vraiment super cool. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de participants. Donc, on recommencera, c'est sûr, sûrement cet été. Comme ça, tout le monde pourra y participer. Pas de soucis de date. Tout le monde pourrait y participer cet été et voilà, on n'aura plus les cours, on n'aura plus de travail, on sera tous en vacances. Voilà, comme ça sera plus facile. Du coup voilà, donc là je vais continuer à parler, donc enfin je vais continuer à regarder vos petites questions, etc. Je vais continuer à regarder des vidéos, répondre aux questions, enfin pas répondre aux questions, mais regarder vos questions. Je vais continuer à parler donc avec Mathilde, donc celle où je vous avais parlé dans mes premiers vlogs. En fait elle est revenue du Canada donc. Et du coup voilà, donc je vais parler un petit coup avec elle. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc du coup voilà, je vous retrouve tout à l'heure avant minuit. Heureux tout le monde, donc là il est, je crois qu'il est passé minuit, oh non, il est 11h51, enfin non, 11h59 pardon, donc le challenge est terminé, enfin, dans une minute, donc voilà, donc je remercie encore tous ceux et celles et vous qui avez suivi ces vlogs, qui avez participé au challenge, merci encore. Enfin, c'était vraiment. Enfin, je pensais vraiment pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et du coup, voilà, vu que ça a beaucoup marché, on recommencera sûrement cet été. Promis, promis, promis. Je vous mettrai le lien de la page Facebook qu'on a créée, enfin qu'Anaïs a créée en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller jeter un œil. Mais du coup, voilà, enfin, comme ça, il n'y aura pas de problème de date et tout. Donc voilà, apparemment sur Instagram, enfin, ça a plu aussi, donc du coup, c'est cool. Donc je suis allée voir sur Instagram ce qui se passe pour voir ce que les gens font, leur bilan challenge, etc. Là du coup on va voir, enfin vous allez voir dans la semaine qui va arriver donc du coup les bilans du challenge en fait. Donc ça va être cool de voir qui a réussi le challenge, enfin qui a validé le challenge au moins. Est-ce que ont lu les gens, etc. Ce qu'ont pensé les livres, enfin les gens des livres, ce qu'ils ont lu, etc. Je pense que ça va vraiment être cool. Donc du coup voilà, donc ce vlog va s'arrêter. Oh mon Dieu. Donc du coup ce vlog va s'arrêter ici. Il est minuit. Il est minuit une. Donc du coup voilà, donc là on est lundi, génial. Donc là il est minuit une. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, le challenge est terminé. Donc là je vais mettre un truc sur Instagram pour la fin du challenge. Donc encore merci si vous avez suivi ces daily vlogs. J'espère qu'ils vous auront plu. Je suis désolée que ma vie ne soit pas extraordinaire. Mais c'est comme ça, voilà. Donc je vais aller dormir, enfin je vais aller checker Instagram, etc. Donc du coup voilà, encore merci d'avoir participé, d'avoir regardé ces vidéos. Je vous retrouve très prochainement dans du coup dans le bilan du challenge. Donc une fois qu'elle sera mise en ligne, je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos. Ou sinon restez connectés sur ma chaîne et vous verrez bientôt le bilan. Je vais tourner ça demain, donc je suppose que je mettrai ça dans la semaine. Donc du coup voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu, j'espère que le challenge vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne.
She's a part-time model, giving me the cold shoulder. Too hot to hollow, how'd you get so cold, baby? Baby, baby, too much to follow, no base off your clothes, baby. I've been thinking for